bienvenue sur mon let's play Gran Turismo 4 partie 59. Aujourd'hui nous allons faire le World Circuit Tour, si ça s'appelle bien comme ça. Donc nous allons reprendre la R89C et repartir du coup. Donc oui, ça s'appelle bien le World Circuit Tour. Et du coup il y aura 8 courses et on fera les 4 premières. Donc c'est parti. Allez, nous partons avec Suzuka Circuit pour 6 cours. Donc là, va falloir vraiment bien jouer parce que comme c'est une course classique, va falloir arriver premier à toutes les courses. Allez, c'est parti. J'ai plus l'habitude de la contrôler, je trouve qu'elle est un peu un peu bizarre à conduire. Hein. S'abuser.
crois que le truc, c'est qu'il faut prier pour qu'ils aillent au stand. Bon, ça va pas le faire là, il reste deux tours et ils ont collé une sacrée avance là. Bon, bah, c'est la vitesse supérieure. C'est la voiture à train de patiner. Ok, du coup, on voit que l'IA a un certain problème. On va essayer de s'en servir pour les rattraper. Parce que j'ai vu qu'il restait un peu de fumée de sable, comme si ils étaient tombés dans le bac à sable. Ouais. On va essayer de servir ce prophète pour les rattraper. Sachant qu'on commence déjà petit à petit un peu les rattraper, même si le temps qu'on essaie de trouver un moyen de les rattraper, ils prennent quand même pas mal d'avance, ce qui est assez flippant. C'est pour seulement quelques chevaux de différence. Ok, on a une chance de fou. Dieu est avec nous les gars, je vous dis que Dieu est avec nous, ils se sont arrêtés au stand pour le dernier tour. Ça c'est parfait les gars, ça c'est parfait.
Et voilà, la première course est finie. Une game 15 000 crédits. Et comme c'est pas un championnat, on peut pas continuer par la suite les courses comme ça. Il faut retourner au menu et choisir la course. Donc ensuite on part sur Twin Rig Motegi pour 8 tours. Espérant que ça passe. Du coup nous allons recommencer la course puisque une Toyota 7 a décidé de nous narguer en nous mettant un gratos surdimensionné. Ah mais vraiment elle avait littéralement 25 secondes d'avance sur moi. J'ai réussi à grappiller quelques petites secondes mais ça suffisait pas. Devant la ligne d'arrivée elle était vraiment, j'étais vraiment pas loin en plus hein. Si le jeu m'aurait laissé un tour de plus j'aurais pu la rattraper mais bon le jeu m'aime pas, c'est pas grave hein. Je n'ai pas eu de chance hein. Le truc c'est qu'il n'y a pas de qualification dans les courses normales, du coup c'est ce qui rend très compliqué la tâche hein. Oui, j'ai son soirée, oui. Oh putain, comme par hasard, je pensais à un truc, je me fais karma instant. On bloque la vitesse. Et on repart sans patiner, c'est bien. Vraiment, n'hésitez pas à bloquer la vitesse en troisième pour pouvoir éviter de patiner à la sortie du virage. Et après, on met des gaz. Et maintenant, c'est eux qui nous mettent une avance surdimensionnée. Je vais péter un câble. Oh putain mais j'en ai marre. Oh mais je suis con. Oh mais je suis con, j'en ai marre. Bon. Voilà, je vais pas tricher, je vais attendre 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, ok, ouais, c'est bon. C'est bon, en même temps j'ai pas envie de me retrouver avec 50 secondes d'avance. Hein, 50 secondes de retard. N'abusez hein. Pas. Ouais. Faut vraiment que je pense à désactiver ce chip parce que il commence à me taper sur les nerfs. Hein. Ah putain, ce col, ça me fume. En tout cas, c'est bien, au moins le premier le retient. Ouais. Oh, c'est parfait et merci la Dispo GTR la Concept Tokyo je sais plus quoi la GTR Concept Tokyo. Merci beaucoup d'avoir retenu la Toyota 7 le temps que je m'en occupe. Merci que grâce à toi je vais gagner la course. Ou alors non. C'était pas bon. Rappelle la
Je aime gratter pendant la course. Oh, elle est énervée, hein, la 2 à 7. Oh, elle est... On va péter un câble, on a pris beaucoup trop de caféine. Là. Et toi, je sais pas ce que t'as. Chaque course génère 80. En fait, c'est la théorie de la R89C. Quand il y a une R89C, il y aura une R92CP qui collera au cul. Il n'y a rien de plus simple. Hein. Toujours, à chaque fois que je sors la R89C, il y a toujours une R92C qui colle au cul. Regarde, je vous ai dit, elle colle au cul. T'as la loupe, t'as celle qui est surexcitée, qui a pris tout un stock de caféine entière avant de faire la course. Et t'as lui, là, il pète un câble. Décide, moi aujourd'hui je vais encore coller au cul à l'R89C. J'aime bien coller les culs R89C. Est-ce qu'il y a un skip théorise Gaët level 3 ouais. Et je parle en langage New Gen TikTok, mais bon. C'est ce que je disais. Bah oui, il y a autant perdre sa virginité tant qu'on y est. Là, il y a ma plaque qui tourne parce que je suis invoqué à quelqu'un. Il y a tous les téléchargements qui sont repris. Du coup, ma quoi va prendre un sac. Elle va prendre. Elle va se prendre une claque monumentale. J'ai pas remarqué. On a dépassé les 1000 km. Hein. Oh, let's go, ça a 200. Ça fait plaisir. Putain, je signe de la lèvre. Merde.
Allez, dernier tour. On peut le faire. Oui, il n'y a pas de question. Oh, on peut le faire. Ah, ça, c'est notre projet. Oui. La T7 a repris le contrôle. C'est quoi ce que... Et voilà, nous avons terminé. Et du coup, nous sommes terminés de la deuxième course. Et du coup, nous passons à Tsukuba Circuit pour 15 tours. Hein. Allez, on y va. Oh putain, on a une Minolta dans la course. Oh, ça sent tellement mal. Ça pue. Oh putain, tous les trois, on leur a mis un gratos à tout le monde là. Pas beau à voir.
Ah, ça c'est pas bon, il commence un peu à être jaune les pneus. Ça sent pas bon. On n'est même pas à la moitié de la course et je vais éviter de m'arrêter au centre. C'est ça qui va me faire perdre. Ça va jouer à la consommation de nos pneus. À nous tous. En fait, je crois que c'est une mauvaise idée de relâcher, de bloquer la vie. Ouais, je crois que c'est une très mauvaise idée de bloquer le truc. Je pense que c'est juste, ça va juste nous faire perdre plus de temps. C'est pour ça qu'on se fait rattraper et qu'on se fait littéralement violer par la même voiture que nous. Ah, let's go, ça va les retenir. Hein. Ça va les retenir, les trois entassés. Hein. Oh, ça va en profiter à mort des trois concurrents entassés là. Si moi je commence déjà pas à me foirer. Il y en a, il s'arrête au stand là. Oh. Ah ok, non, c'est que la Ford GT. La pauvre Ford GT. On est pas ensemble, mais on est ensemble en même temps. Ok, qui s'arrête. Ok, NR89C. Ok, Minolta. Ok, on passe premier. Ça, c'est parfait. Alors là, je connais pas plus parfait. Donc là, les 4 derniers tours, on doit les consacrer à se bloquer. Voilà. On doit les consacrer à débloquer. Il n'y a plus que 4 tours entiers à faire, à les retenir, et ça va le faire. Si nos pneus ne commencent pas à lâcher en plein milieu. Ah! Ça me gratte.
Oh, je la vois, elle est juste derrière là, ça fait flipper. Je pense que quand la 2.2 géométrie va sortir, j'aurai plus aucune vie sociale. Allez, dernier tour. Oh, j'étais un petit peu aidé, hein, la RX-7, même si t'es littéralement foutu. Hein. Oh, tu me rends plus. Là, tu me rends vraiment service, la RX-7, si t'arrives à les retenir. Hein. Parce que, waouh, ils ont. Oh, ils m'ont rattrapé assez rapidement, hein. C'est flippant. Oh, merci beaucoup, tu me rends un énorme service. Je vais pouvoir gérer la fin, t'inquiète pas. Ou alors non. Et voilà, nous avons fini. Donc nous avons terminé la troisième course du World Circuit Tour. Et pour la suite. Pour la dernière course, ça sera du Laguna Seca pour 10 tours. 10 tours, ça va pas durer 50 heures. Hein. On va pas en pleurer. Donc voilà, c'est la deuxième fois que je refais la course puisque la Toyota 7 a décidé de nous rattraper. Ah, cette tassette, elle nous défonce, elle nous nique, je sais pas ce qu'elle a, mais elle nous nique. T'as pas intérêt à me pousser comme la dernière fois. Hein. Voilà, celle-là, elle m'a poussé au tout début de la course. Elle m'a fait faire 15 secondes. Et je me suis retrouvé à prier que les autres aillent au stand pour pouvoir gagner de la place. Et cette technique m'a pas lu de finir deuxième. Parce que la Toyota 7 a des pneus en béton armé. Allez me demander comment c'est légal. Hein, la FIA adore. Hein.
Bon, regarde, elle s'en branle d'avoir des pneus en béton armé. Elle pousse tout le monde. Elle a des pneus en béton armé. Elle vient avec une énorme dose de coke et de caféine avant de courser là. Regarde, mais regarde, elle aurait pu me pousser si j'y étais resté. Hein. Elle aurait pu me rentrer dans le décor là. C'est pour ça que j'essaie vraiment de m'en débarrasser le plus long. J'essaie vraiment de m'en débarrasser quoi, pour que ça réarrive. Faut vraiment pas la laisser passer hein, parce que. Tu me diras les autres à la limite, ok je m'en fous un peu parce que t'as juste à attendre qu'ils aillent au centre et c'est bon, t'es bien, mais là, elle. C'est qui me fera le plus peur. Hein. Oh merde, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Désolé R89, c'est... Je ne voulais pas te faire mal. Putain, mais toi aussi, je suis timé. Ça me rappelle cette meuf à l'école qui me disait tout le temps ta gueule. Hein. Arrête, qu'est-ce que tu fais? Ah, merci alors qu'attends aussi de la retenir. Hein. Bon ok, là, il a vraiment mal pris. Hein. Oh putain, mais elle prend les... Oh putain, elle freine dernier moment, elle, hein. Elle a pas peur. Hein.
Non, non, mais... Oh là 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 là, putain, mais j'en ai marre. Désolé encore. Attends, je vais me dire que c'est elle qui est tout au combat. Hein. Bah, j'ai l'impression que oui, mais qu'est-ce que je me dis ? Non. J'en ai marre des pêches samedi qui soufflent là, tout seul. Ok, ça y est, nous y est. Non, putain, mais j'en ai marre, le cheat qui s'active tout seul là. En bref, swarm. Oh là 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 là, t'en as pas marre de me pousser toi. Il me faut une tassette, c'est pas possible, trop agressif. Ça a galère à accélérer, ça c'est ce que je vois. Mais... Par contre, dans les virages, quand elle te colle au cul, là ça fait peur. Hein. Ça fait comme un jumpscare. Mais regarde, elle colle au cul!
Putain, mais comment elle peut me comment elle peut avoir une meilleure vitesse que moi? Je vais péter un câble. Hein. Je te laisserai pas gagner. Je te laisserai pas gagner, merde! Putain, mais comment elle peut prendre aussi bien les virages? Ça me dépasse. Oh non, j'ai rien. Avant que ça nous retombe, ça retombe sur nous là. En fait, c'est la vengeance en personne, elle se venge de toutes les personnes que j'ai bousculées. Oh, tu fais peur. Oh, t'es flippante. Oh, je voulais... Mais je voulais drifter. Mais c'est pas grave. Allez, voilà, on est enfin fini la course. I got two. Oh. Just les crédits. Et voilà, bah, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Hein. Donc voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker. Dites-moi que vous voulez que je fasse un commentaire pour la prochaine fois. Et moi, je vous dis à plus.